Et salut tout le monde, c'est Martin Walker. Et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo sera sur Team Fortress 2 bien sûr. Et cette vidéo elle portera comme sujet les nouvelles armes qu'il y a eu à l'update de Noël bien sûr. Je sais que l'update est très loin derrière nous, mais bon, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer ce que nous ont apporté les nouvelles armes. Donc ces nouvelles armes sont très comment expliquer ça, sont très utiles. Personnellement j'ai trouvé dès que je les ai utilisés. Donc pour commencer on commence avec le Demoman. On se retrouve avec le Loose Cannon. Bon bien sûr je connais pas le nom français, mais par contre je connais le nom anglais, voilà. Et donc du coup le Loose Cannon, sa particularité, attention on sait jamais, c'est peut-être des spies. Par exemple vous avez une sorte de gros canon qui est posé sur votre arme. Vous pouvez appuyer lentement sur, comment on appelle ça, la gâchette, et elle vous fera comment expliquer ça, consumer un boulet de canon. Regardez, voilà, regardez. Donc du coup je vous montre, attention. Ah voilà, c'est bon, je suis là. Attention, attendez, voilà, attendez. Donc du coup je vais essayer un peu de me tenir à l'écart pour vous montrer sa particularité. Donc du coup sa particularité, regardez, vous avez une jauge en bas des 4 boulets de canon que j'ai à l'intérieur. Quand vous appuyez longtemps, la jauge va descendre. Et quand vous lâchez la souris, bien sûr, c'est l'impact qui veut dire, pardon, c'est le boulet de canon qui va sortir. Et selon le niveau de la jauge, c'est le temps réduit que le boulet de canon va exploser en fait. Voilà. Regardez par exemple, si je lance comme ça, elle va rebondir et ensuite elle explosera plus tard. Si je le fais vraiment au dernier moment, quand la jauge est bientôt consumée, elle explosera en plein air presque. Donc ça peut être très utile cette arme. Personnellement elle fait des dégâts assez accrus, c'est très bien. Mais par contre elle est très utile dans les coins très reculés. Par exemple, attendez, ah voilà. Donc vous voyez, j'ai trop fait, moi j'appelle ça macérer ma grenade. Donc du coup ça m'a oh, j'ai gagné une crate. Ça m'a autodétruit. C'est un peu le même système que le Beggar's Bazooka du soldeur. Quand vous faites macérer trop longtemps vos projectiles, et ben ils vous explosent à la gueule. Donc du coup on va passer à la seconde arme. Cette arme, bon je vais quand même faire un petit bout de gameplay avec hein. Donc cette arme, j'ai mis aucune autre arme avec pour pas qu'il y ait d'interférence, car bien sûr cette arme bien sûr retire des points de vie hein, on sait tous, elle retire pas de points de vie, elle retire, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, enfin c'est pas le plus important. Ce qu'elle retire c'est surtout son efficacité au combat qui m'intéresse. Ah juste, il a failli m'avoir celui-là. Attendez, il y a un pyro là, il essaie de contourner le sagouin. Ah juste putain, il m'a eu. Oh là là, bon c'est pas grave. Donc j'espère que je vous ai assez démontré les capacités de cette nouvelle arme, le Loose Cannon. Donc maintenant on va se mettre Enginer, qui est bien sûr la prochaine arme, la prochaine classe où il y a une nouvelle arme qui est sortie. Donc attendez, on attend quelques secondes. Et voilà, donc du coup regardez, ceci c'est un nouveau fusil à pompe. Et la particularité de ce fusil à pompe, c'est par exemple dès que vos sentries ou alors vos constructions prennent un dégât, vous tirez une fléchette dessus et la vie va remonter. Bien sûr elle fait aussi des dégâts sur les ennemis, mais les dégâts sont assez faibles sur les ennemis. C'est plutôt utile pour les sentries. Ah cool, j'ai un bug là. Oui j'ai un bug, regardez, il y a ma main droite n'apparaît pas. Ah là là, attendez. Donc du coup je vais construire une sentry pour vous le prouver. Attendez, ouais attendez, je vais me mettre par là plutôt, comme ça les ennemis pourront vite faire des dégâts dessus. Donc faut faire gaffe à ce qu'il y a sur le côté. Voilà, attendez, je vais un peu l'améliorer, comme ça au moins elle va tenir quelques secondes. Voilà, donc du coup dès qu'elle sera affaiblie par les tirs d'ennemis, regardez, je vais tirer dessus. Donc du coup quand vous bien sûr tous les enginers par exemple ou n'importe quelle personne de votre équipe peut voir les PV de votre tourelle. Attendez, lui il a l'air suspect. Non, ça va. Donc bon, dès qu'elle aura perdu des dégâts, je tirerai dessus et sa vie va remonter. Donc du coup regardez, vous avez un capteur cardiaque sur votre fusil à pompe on peut voir la vie de la tourelle dès qu'elle sera détruite. Je me rappelle plus si on peut voir la vie de ses alliés. Non, je me rappelle pas.
Donc du coup, il faudra attendre un peu que la tourelle soit... Que ma tourelle... Ah voilà, je vais la placer juste là, comme ça elle prendra vite des dégâts. Ah, j'ai dit un spy, j'ai entendu. Voilà, donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre que les qu'ils arrivent. Donc on va attendre un peu, hein, désolé si... Si l'équipe d'en face n'est pas assez rapide. Attendez, je vais quand même la mettre encore plus près. Ça pourrait m'être utile. Donc du coup, il y a un sniper ici. Voilà, on va la mettre ici, comme ça le sniper il pourra lui tirer dessus. Regarde, ah putain. Ah, j'ai vraiment mal joué là, attendez. Donc cette arme est assez dure à utiliser, hein. C'est assez dur de vous le démontrer, surtout. Donc attendez, je vais chercher de quoi en recrafter une. Voilà, attendez, regardez. Donc il n'y a plus qu'à... Oh là là, il y a un spy ici. Non, lui, attendez, lui, il faut que j'aille... Faut que je l'ai. Attendez, il faut que ma... Elle a perdu... Voilà. Ah zut, j'ai pas le temps de vous le montrer. Ah putain. Oh là là, bon, du coup, excusez-moi les amis. Si je n'arrive pas à faire perdre des PV à une sentry, hein. Attendez, il faut vite que je respawn, comme ça je peux vous le montrer. Faudrait surtout qu'il y ait un allié avec moi qui en construise une. C'est bon, attendez, dès qu'il... Voilà. Donc dès qu'il y aura quelqu'un devant et qui va faire perdre des PV à ma sentry. Voilà, attendez. Là, je suis en train de la faire remonter sa vie. Voilà, regardez, vous avez vu, j'ai remonté les PV de ma sentry en lui tirant dessus. Et bien sûr, c'est très bien, je peux la réparer à distance. Voilà, donc du coup, on va vite changer de classe. Et il faut quoi ici? Ah, voilà. Voilà, j'en ai eu un. Ah bon, allez, c'est le temps de changer d'arme. Donc, bien sûr, je pense que je vais plutôt vous montrer cet effet à la prochaine partie, puisqu'elle va bientôt atteindre. On va bientôt atteindre la fin de la partie. Alors, sinon, pour vous dire pas grand chose, le. On est mort. Bon, allez, je fais une coupure. On se retrouve à la prochaine partie. Allez, à tout de suite, les kids. Donc, bon, me revoilà à une autre partie, dans la suite de la partie. Donc, je vais vous montrer le Vaccinator. Le Vaccinator, c'est une arme très très utile et qui est très spéciale. Alors, je vous explique. Regardez. Alors, voici l'affichage du bas. Regardez l'ATH de l'arme. L'ATH de l'arme contient 4 cases à chaque fois. Donc, du coup, la balle que vous voyez dessus, c'est le type de. Comment on appelle ça? D'atout que je peux donner à mes alliés. Donc, par exemple, regardez, nous allons prendre ce pyro. Je lui mets des. Comment on appelle ça? Je lui ubercharge, mais cette fois c'est pas une ubercharge que je vais lui donner, c'est des munitions. Donc du coup, quand vous voyez un carré qui est rempli, hop là, là je suis en train de lui donner des munitions quand il par exemple des munitions infinies. Tant que la jauge ne perd pas de blanc, et ben je peux lui faire tirer des balles infinies. Ensuite, je change avec la molette, bien sûr. Hop là, voilà. Là, cette fois, c'est pour augmenter les explosions. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'utilisé avec des Demoman, lance-roquettes et autre classe. On va tout de suite vous montrer. Attendez, faut que j'aille grapper lui là. Là, comment on appelle ça, il a une arme. Voilà. Ah, on a été pris à revers. Bon, allez, je reviens au combat. Sinon, je pense que la meilleure arme que le jeu a apporté, c'est le Vaccinator, puisque c'est un changement entier de gameplay dès que vous l'avez en main.
c'est vous pouvez faire tourner le combat avant en votre faveur. Donc je vous ai pas montré explosion, donc voilà, attendez. Oula, ils sont déjà dans le camp. Voilà. Donc du coup là je l'ai bien chargé, je vais augmenter ses dégâts de par explosion, donc du coup vous avez pas dû bien voir, donc je recommence dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, donc là je suis en train de lui augmenter ses dégâts d'explosion. Oula, je fais quoi moi? Enfin bref, vous avez pu le voir, c'est facile à reconnaître. Quand un de vos ennemis ou quand vous hyperchargez vos alliés avec un type d'atout différent, il y a l'atout qui s'affiche en haut. Donc personnellement, l'atout le plus utile entre les trois, donc du coup je vais vous montrer le troisième. Attendez, voilà. Donc là c'est les dégâts par le feu. Les dégâts par le feu c'est pour les pyros, donc du coup vous voyez, je vais lui augmenter ses dégâts par le feu dès que je peux. Ah là là là, putain, ça devient n'importe quoi. Voilà, donc il y a un petit bruit dès que je passe un carreau. Ah zut, il s'est téléporté. Et on va en prendre un autre. Voilà. Donc du coup, j'espère vous avoir assez démontré de choses avec ces nouvelles armes. Attendez, il y en a un là. Voilà, c'est bon lui. Donc du coup, j'espère vous avoir assez démontré de capacité avec cette arme. Donc personnellement, l'arme, comme je vous l'ai dit, la plus utile dans cette update, c'était le Vaccinator. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un like à la vidéo. Je vous dis à plus, les kids, c'était Martin Walker. Ciao, ciao.